Dans cette vidéo, je vous propose de voir une première application pour scanner un document et le convertir en PDF avec un téléphone. Donc cette application, c'est Google Drive. Donc elle est disponible aussi sur iOS et les appareils Apple. Il suffit d'avoir un compte Gmail et puis de le rentrer. Pour ajouter un document, on fait plus. On a le bouton numériser qui apparaît. Ensuite, on prend le document photo. OK, si nécessaire, je peux recadrer avec les poignées en déplaçant les poignées bleues. Je valide. Je peux ajouter, si besoin, une deuxième page en répétant l'opération. OK. Je valide. Je choisis un nom pour retrouver mon document sur le drive, éventuellement un dossier, et j'enregistre. Le temps que ça synchronise, on va aller voir sur l'ordinateur ce que ça donne. Je vais maintenant me rendre sur mon Drive, Google, l'application Drive, et je vais retrouver le document que je viens de créer. Donc un double clic m'ouvre mon PDF. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec Google Drive, c'est que il y a un logiciel de reconnaissance de caractère intégré. Donc soit vous utilisez le PDF directement, soit vous pouvez l'ouvrir avec Google Docs. Donc après un petit temps de travail, vous allez accéder à une version éditable du PDF. Et donc avec au contenu brut que vous allez pouvoir réexploiter dans un traitement de texte. Voilà pour la première solution de scan avec un smartphone.